Allez, bonjour à tous, c'est Marc, bienvenue sur Castelnau. Voilà, ici petite vidéo, j'ai décidé de faire un petit contrat de moisson. Voilà, j'ai pris un contrat de 3 hectares 6. Donc on va aller se récolter un peu le champ là-bas, vu que bon, c'est le moment des moissons, donc autant profiter, on fait un petit contrat. J'ai fait un peu tous les champs que j'avais à faire ici, à part celui-ci, juste à côté, que j'ai commencé, mais bon, voilà, on va se faire un petit peu d'argent avec les contrats. Donc voilà, j'ai fait grimper un peu le compte en banque, car j'étais un peu en déficit, on va dire. Donc voilà, on va aller se faire ça, tranquillou. Donc ici, j'ai juste aller accrocher une benne, car le champ n'est pas tout prêt, il est près du concessionnaire. Et le concessionnaire, bah, il n'est pas à côté de la ferme, donc on va se faire un petit peu de route. J'ai essayé d'engager un ouvrier pour emmener le tracteur, mais ça marche une fois sur quatre. Donc ouais, c'est pas le top. Donc voilà. Les ouvriers, ben, ils veulent ou ils veulent pas y aller. Ça dépend les véhicules aussi. Ça fait aussi un peu beaucoup. Enfin, pour le coup, c'est pas grave, mais on va y aller tranquille. Alors je vais essayer de faire un peu de vue intérieure parce que je sais bien qu'il y en a certains d'entre vous qui aiment ça. Donc on va se mettre en vue intérieure et comme ça ben, je vous laisse profiter un peu du paysage qui est juste magnifique sur cette carte, franchement. Chapeau au modeur de la map, franchement nickel. Donc j'avance tout doucement sur la carte, donc j'ai gardé la ferme principale, je n'ai pas été me mettre autre part, parce que je trouve que le corps de ferme il est pas trop mal. Après, je vais essayer non plus de ne pas prendre du trop 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 gros matériel. Ça sert à rien. Car les champs non plus ne sont pas super énormes. Vous voyez dans le tracteur ici, bon, il est un peu modé le tracteur ici. Il y a encore des petits bugs dessus. Même dans les rétros là, vous voyez dans le rétro là, ça clignote là. Voilà, la belle petite scierie ici avec les bruitages qui vont bien avec. Ici, c'est vraiment des petites routes fort étroites. Si vous mettez la circulation là-dessus, c'est. Ouais. Alors, je me rappelle plus. Ouais, c'est par là. Il n'y a rien de droite. D'habitude, je fais ce chemin-là, mais à l'envers. Quand j'achète le matériel. Donc, voilà, c'est rare quand je vais par là. Sauf que là, ben, le champ, ben, il n'était pas trop mal. Bon, c'est pas non plus un super gros champ, mais bon, ça va faire l'affaire. Faire le petit contrat et essayer de se prendre une petite prime au passage. En plus, voilà, comme j'ai pris la benne avec, j'ai pas loué le matériel du fermier qui me proposait, je prends le mien. Et comme la coop est juste à côté du champ, enfin elle est pas trop loin déjà, donc ça va bien se passer. Bon, regarde, s'il y a rien là-bas. Bah, de toute façon, j'ai même pas mis la circulation, donc je peux y aller. Mais bon, on va essayer de faire ça comme il faut. D'ailleurs, je vais la mettre, la circulation, ça fait un peu plus réaliste, je trouve. Circulation, circulation, c'est ici. Trafic routier, ok, voilà. Comme ça, on n'est pas tout seul sur la route. Faire attention. Ouais, par là. Là aussi, les vignes ici, ça m'appartient. J'ai acheté le domaine. J'avais commencé, j'avais une petite vidéo là-dessus aussi. Récolte avec le petit mode des personnages animés sur les petites remorques. J'ai pas pris la grosse vendange, j'ai juste pris ça. Et ça fait bien le travail. En même temps, c'est pour jouer un peu plus réel. Ça se passe bien. Donc, on va continuer avec ce genre de mode. Tranquille. Alors ici voilà le beau petit village, pour ceux qui connaissent pas la carte, non, c'est super bien fait, franchement nickel nickel. Alors ici il faut que je prenne la droite, enfin gauche. Bon, tu me laisses passer, c'est gentil, merci. Normalement ici je vais prendre le pont, ou c'est tout droit? Non, c'est tout droit ici. Voilà, ok.
Et le champ, il est après le concessionnaire. On y arrive, ne vous inquiétez pas. J'aurais bien fait aller l'ouvrier, mais bon, ça ne veut pas à chaque fois, donc j'insiste pas. Sinon, ça fait bugger le jeu. La première fois, si ça fonctionne pas, encore c'est le placement de la petite flèche que vous mettez. Faut pas non plus qu'il spawn sur la route, il faut bien le mettre. Donc voilà, ici le concessionnaire. Et nous, notre champ, il est un peu plus loin. Je vais essayer d'acheter plus tard des champs par ici parce qu'ils sont quand même un peu plus grands ici que là où je suis installé sur le corps de ferme. Et puis ça me fera voyager un petit peu, quitte à refaire une petite ferme en bas, sympa, on va dire céréalière. Ça pourrait être sympa, comme ça au-dessus ben, on s'occupe des animaux et en bas ben, on se fait un peu plus de grosses cultures. On arrive au champ. Normalement, je vais devoir rentrer ici quelque part. Ouais, c'est là. Non, c'est plus loin. C'est ici. Voilà. On va se prendre un peu plus large parce que c'est étroit. Je sais même pas si je passe là. Ouais, ça passe. Allez, hop, on va rentrer ici dedans. Je suis un peu large, mais bon, ça devrait le faire. Ah ben voilà, nickel. On va laisser le tracteur là pour le moment. Voilà. Alors j'ai choisi voilà, la belle classe ici. Ticano. Elle va bien faire l'affaire. C'est son premier boulot. C'est une petite nouvelle que j'ai pris il n'y a pas longtemps que je l'ai acheté. Les autres, je les avais loués au début. Ouais, bah, si je prends la coupe dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Évidemment. Attendez, on va déplier ça. Bon, la barre de la moissonneuse n'est pas grosse, on en achèterait une plus tard, plus longue. Enfin, celle-là, c'est 6 mètres, je crois. On en mettrait une plus grosse la prochaine fois. Et elle a 10 mètres qui va bien, là. Mais bon, pour le moment, on fait ce qu'on a à faire. On va débuter comme ça. Donc il m'a pas demandé de faire de la paille et tout. Je sais même pas, je vais quand même en faire parce que peut-être que je pourrais peut-être pour moi la récupérer plus tard. Donc ça c'est toujours bien utile, pratique même. Donc ouais bah c'est bon, il fait de la paille, c'est nickel. Bon. Allez go. On va se taper des belles petites lignes droites ici. Bon allez, on va se mettre un petit peu vue intérieure. Voilà, on est parti. Là, on a 3 hectares à faire. Je ne sais pas si on va faire les 3 hectares sous la vidéo. Mais au moins faire un remplissage de benne. Parce que bon, voilà. Bon, allez, ici, j'ai poussé un peu la moissonneuse à 12 km heure, histoire d'aller un tout petit peu plus vite pour faire les petites vidéos, quoi. Parce que moi, j'ai pas l'habitude de faire les montages de mes vidéos. Donc, voilà, je vois pas l'intérêt. Bon. Enfin, pour moi, personnellement, après... Moi j'aime bien jouer avec vous en direct sans faire passer le temps ou quoi que ce soit. Alors je sais pas si les poteaux sont en collision, je me rappelle plus. On va tester, on verra. Si ça passe, ça passe. À mon avis, ça passera pas. Ah bah si, ça passe, mais c'est nickel. Ou sinon, bah ouais, sur certaines cartes, même en activant le truc, ça fonctionne pas. Il faut passer à côté. Après ça c'est pour jouer un peu plus roleplay. Comme dans la vraie vie quoi. Donc j'espère que les ondes se passent bien là. Ouais. Nickel. On est droit. Enfin plus ou moins droit. Donc voilà quoi. Encore une fois, belle carte, franchement, super belle carte. Je crois que c'est. C'est une que je kiffe le plus pour le moment des cartes, franchement. Elle est trop bien faite. Elle est fort vallonnée. Elle est parfaite.
à mon sens, hein, encore une fois, c'est mon avis perso. Alors, on va se faire le petit détourage là qui va bien avec. Ouais, on active la coupe en un. J'espère que là, ouais, c'est bon. Je me suis pas trompé de touche. Ouais, j'ai enlevé la TH, enfin les commandes, hein, parce que bon, ça prend sur l'écran, c'est. Après, quand on connaît les machines, on n'en a plus besoin. Hop, hop, hop. C'est pas ça que je voulais faire, hein, Marc. C'est couper la coupe en un, voilà. Allez, hop, on réactive ça. Et on est go. J'espère que ça... c'est pas activé, je le savais. C'est pour ça que des fois, il vaut mieux regarder à deux fois. Allez, go. C'est bon, ça a activé. Non, mais comme je disais, ouais, je vais essayer de venir acheter des champs par ici et essayer de faire un autre petit corps de ferme céréalier, quoi, sans les animaux sur celle-là. Vu qu'on a l'autre au-dessus, donc tranquille. De toute façon, il n'y a pas besoin de plus. J'ai pas envie de mettre 1000 vaches, 1000 cochons, etc. ici dessus. Juste un peu ce qu'il me faut, voilà, parce que voilà, je peux fabriquer mon fromage, donc c'est ça qui est bien. Donc il va me falloir du lait, donc déjà, on va mettre des vaches laitières dedans. Les cochons, si j'en mets, ce sera plus pour le fumier. Et puis je vais essayer de mettre l'abattoir, le mode. Il faudrait que je trouve une petite place pour le mettre, comme ça je peux vendre mes cochons aussi. Ça aussi, ça rapporte un peu d'argent. Mais bon, on n'est pas encore là. On verra ça plus tard. Pour le moment, on va se faire quelques petits contrats sympas. Comme ça nous permet de voyager un peu sur la carte. Ouais, on est juste à côté du négociant bétail ici. C'est pour ça que vous entendez les vaches gueuler un peu. Allez, hop, on va se remettre là-bas. Allez, on va se mettre un peu comme ça. Comme ça, tout le monde verra un petit peu le travail fait. Allez, hop, on active la coupe. Je vais juste remplir la benne une première fois. J'irai vous montrer la coque et on se quittera là-dessus. Car ça va prendre un peu de temps quand même pour faire le champ. Donc si ma vidéo va faire 2 heures. Mais j'espère franchement que la paille, je pourrais la récupérer pour moi parce que bon, l'agriculteur ici sur le contrat sur lequel je suis en train de faire,
mentionne pas qu'il faut lui récupérer ou pas. Après, je sais pas, hein, je vais tester parce que je sais que des fois ça marche pas, on n'a pas le droit. Mais autant pas la gaspiller, autant la récupérer pour nous. Donc voilà. Et en plus, j'ai pas de. Il faudra que j'en loue une, j'ai pas de ramasseuse. Enfin, d'auto-chargeuse, j'en ai pas, donc il va falloir que j'en loue une. Ben ça c'est pas grave, ça coûte pas cher. Au moins je récupérerai ma paille. Parce que là j'ai fait des balles sur mes champs à moi. Que j'ai stocké dans un hangar. On a tout ça, aussi bien sur console que sur PC. L'hangar, là on peut stocker balles, palettes. Enfin c'est un mix quoi. Bon ben voilà, on est plein, allez hop. On va déplier notre petite bus. Non, toi tu restes comme ça, j'ai dit. Voilà, on déplie la bus. Ouais, évidemment. Évidemment. Bon, ben comme ça, vous voyez un peu les outils. Allez, on va aller vider la mosbat. Et on va aller vider un peu à la coque, comme ça vous allez voir un peu la coque où elle se trouve. Ben, j'espère que c'est celle-là. Normalement, oui. Allez, mon petit, vide-moi ça. Nickel. Ce tracteur là il est super beau aussi, franchement. Avec les petits drapeaux français là au-dessus. Il vient vous montrer qu'on est en France. Bon allez, bon ben voilà, j'avais bien calculé mon coup de benne là. Enfin deux trémies pour la benne. Donc nous on va aller comme ça. Pour la petite vidéo. Alors ouais, il y a un autre petit mode là que j'ai activé pour voilà, pour faire un peu genre que ça s'échappe un peu de la benne là. Ça aussi c'est pas mal fait. Ça dépend de la vitesse à laquelle vous roulez, voilà. Il faut passer les 20 km/h je crois pour que ça fonctionne, 20-25. Allez, on va ressortir de ce petit endroit là. Allez, bon, ben, si y a une voiture, elle attendra. Alors, la COP, elle est un peu plus loin là. Si je me trompe pas. Vous voyez, il y a même des petites maisons avec des piscines et tout. Non, c'est bien fait, franchement, nickel. Alors la COP, elle est là, voilà. Je sais même plus où elle est. C'est plus loin. Non, je pense. Oh là, je peux pas y aller là. Je suis con, c'est la fin de la map. Bah ouais, vas-y, rentre-moi dedans, toi. Bon allez, je fais demi-tour dans le champ là, mais on peut pas. Je suis passé outre de la coque, je parie. Ah bah non, bah oui, il fallait que je tourne à droite. Elle est là. Ouais, je pensais que j'étais venu par ici tout à l'heure, mais non. Bon, c'est pas grave. Allez, qu'est-ce que tu nous fais? Oh là là, allez, doucement les gens. Voilà, normalement celle-là. Enfin, c'est celle-là. On va tester si ça prend, de toute façon, on verra. Ah, faut carrément que je recule là. Je pensais qu'il y avait un tunnel, je pouvais passer, ben non.
Bah, c'est pas grave, on fait la petite manœuvre qui va bien. Allez. Et ben, c'est pas là qu'on doit vider. On va essayer le petit tour à pied. C'est peut-être ici. C'est truc à semence, mais c'est quoi qui est marqué là-dessus? Je vais vérifier. SCAR. Attendez, je vais vérifier. Voilà, ça enregistre. Je vais vérifier mon contrat. Alors, Delta. Là, c'est ça, ouais. Ben, bon, c'est de l'autre côté alors. Si c'est pas là, c'est de l'autre côté. C'est pas grave, on va y aller. Déjà, je ne sais pas si c'est sur la bascule, je sais pas si ça s'affiche au compteur là. Non, il n'y a pas de combat. Si de l'autre côté ça fonctionne, ouais. Bon, bah allez. On va essayer un trigger là. En même temps, je découvre, hein, donc voilà. Je ne suis pas venu encore. Ah, voilà. Allez, c'est parfait, ben on quitte là. Et nous, on va se quitter là-dessus, petits amis. Je crois que la vidéo, elle est à plus de 20 minutes déjà. Bon, ben voilà, j'espère que la petite vidéo-là vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce, abonnez-vous si c'est pas fait. Et moi, je vous tiens au courant pour la suite des petites aventures sur cette carte. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao, c'était Marc.